du bocage. Et le starter nous propose d'y retourner gentiment. Bah oui. Calme, on est détendu, fait beau. Je sais pas si vous avez aperçu sur l'écran géant, pas du tout, pardon, l'écran mini, mais l'écran tout de même d'information sur le centre de la piste de Laval. Il fait déjà 18 degrés en Mayenne. C'est la Costa Azura de l'Ouest. Non, 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 ça va pas aller. Ça va pas aller. On a le temps de prendre un café ou un thé. Enfin, pour nous qui regardons, hein. Vous êtes installés, vous êtes peut-être au boulot, vous avez peut-être mis les oreillettes, alors que vous êtes à bosser avec vos chevaux. Sur la route des courses, tiens, on regardera tout à l'heure le programme du jour. Et grâce à Province Course, vous êtes en direct de Laval pour voir les qualifs de 2 ans. Là, on a un lot de 3 ans avec des cas au départ. Et vous reprenez les mêmes, mais on recommence pas exactement de la même façon, puisque c'est Keops du Château cette fois qui a pris un net avantage faute à l'arrière de Kerflo Davel, me semble-t-il. C'était le numéro 32 qui a dû se montrer fautif. Le premier virage, ils sont 7 encore dans le coup. Et on essaie de dérouler en tête. Tout près, on retrouve Kotkita qui se montre fautive maintenant. Et qui semble se retirer. Le 37, Kiléa Dugarde, avec la bonne casaque, qui a pris l'avantage dans son sillage. Carole Dujouan en deuxième position, la troisième position pour Courtenay Terry. Passage bientôt à un tour de l'arrivée, le poteau est ici. Et voilà, faute à l'arrière d'un des concurrents. Et on est dans le bon tempo, au moins pour les 3 premiers, voire pour les 4 premiers, sauf pour le cheval de tête qui se montre fautif maintenant. Et Kiléa Dugarde disparaît provisoirement, car elle a été remise et elle va revenir dans le coup. En tête, on essaye d'accélérer pour assurer justement Carole de Jouan et Courtenay Terry. Bientôt l'annonce informative du premier kilomètre. J'ai cru entendre une 19, c'est pas si mal. C'est même suffisant pour se qualifier. Et Kiléa Dugarde fait impression, hein, Kiléa Dugarde, parce qu'elle revient après avoir fait sa faute alors qu'elle était en tête. Et elle revient assez facilement sur les 2 premiers. On rentre dans la phase finale de ce lot de qualification concernant donc cette fois des cas. On a un petit peu de mal à soutenir la comparaison avec Courtenay Terry. Et l'impression est signée Kiléa Dugarde qui, après avoir été fautive à un tour de l'arrivée, revient très facilement prendre l'avantage sur Carole Dujouan. Kiléa Dugarde, c'est la belle impression de ce lot numéro 2, 3, pardon, avec des 3 ans au départ. C'est facile, c'est le chiffre 3. Il faudra rester au trot jusqu'au bout pour elle. C'est maintenant le but pour Kiléa Dugarde qui prend l'avantage après avoir disposé assez facilement de ses rivaux et malgré une faute à un tour de l'arrivée. Encore 200 mètres à couvrir. Kiléa Dugarde va aller au bout de son effort sans faute. Ah là, c'est pas possible. Il y a un petit truc qui lui va pas ici. C'est tout près du poteau. Je sais pas si elle en a fait assez pour être disqualifiée. Et j'ai cru entendre disqualifier. On va écouter les résultats des officiels. Kiléa Dugarde, ça passera lorsqu'elle fera pas ses fautes. Hein. Les numéros 35, une 18, le 33, une 18-9, le 34, une 19, et le 36, une 19-5. 4 chevaux de retenue. Quatrième peloton en piste. Donc 4 chevaux de retenue dans ce lot pour les 3 ans.
Courtenay Terry, Kéops du Château, Carole du Jouan et Calypso Vry. Ça passera très vite pour Kéléa Dugarde si elle réussit à faire ce qui est quand même le contrat de base. Son parcours complet au trot, mais elle a montré quand même un petit peu de qualité pour réaliser cela, mais elle a